Monsieur Nicolas, il y a son bon jeu pour nous, pour ceux qui viennent à Haïti. Est-ce que ça a été pour nous, comme Angleterre? Bon, tout d'abord, je vous remercie du fait que vous faites le déplacement pour le conseil du local pour nous être capable de faire d'autres interviews et puis pour permettre le public haïtien ou bien le monde entier capable de connaître ce qui s'est passé en Haïti en termes de mouvement social. Effectivement, je dis que le 22 février, c'est la naissance fondateur mouvement que nous considérons comme journée mondiale de la pensée du souci. Donc, à travers le monde, tout le monde qui dit que c'est citoyen, mais la célébration. Mais la célébration par nos années, l'immène nous à préparer le centenaire mouvement à arriver en 2000. Donc, c'est spécial, nous tous sommes contents, on se dit bonne fête, on s'emboise. Donc, c'est la joie, c'est la fête dans le cœur de tout le monde qui vit que c'est souhaité. Comment le mouvement est-ce qu'on a introduit ici? Bon, le mouvement de la est rentré en Haïti en 1916. Et c'était deux pasteurs, Edouard et Edgar Jones, de l'église anglicane. Donc, c'est Montaïo qui est venu avec nous en Haïti. Nous voulons savoir si les gens qui veulent jouer au pays. Vous avez dit que le mouvement scout-là, c'est un mouvement d'éducation pour les jeunes. C'est un mouvement d'éducation non formel. Donc, le mouvement scout-là en Haïti, on est capable de dire premier rôle, c'est faire éducation jeune, c'est former jeune, et au cap qu'on est demain des citoyens actifs. Des citoyens qui sont capables, utiles, non seulement à porter par eux, mais à la communauté qui habite là, dans la famille où ils sont capables de marier, dans l'église où ils marchent, donc en général, dans la société haïtienne. Ça, c'est le rôle ça que nous jouons. Mais pas oublier tout que des nous, c'est prêt à servir. Donc, nous scout, il y a une obligation dans la ville, chaque jour, pour être capable de rendre le monde service, pour être capable de rendre le pays. Est-ce qu'il y a un rapport avec les forces de l'ordre? Non. Les nous, d'ailleurs, le scoutisme dit apolitique. Et les nous dit apolitique, là, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a un monde qui scout ou pas qu'à faire politique. D'ailleurs, finalité, nous, c'est former des citoyens. Or, tout citoyen, il gagne des droits et des devoirs. Donc, il y a un scout qui est capable de candidat, il y a un scout qui est capable de résident, mais il n'est pas capable de poser candidature dans ce sens-là, dans non scout-là. Mais en tant que citoyen, il est capable de faire. Donc, rapport qui gagne avec force de l'ordre, il y aurait les mots, il y aurait des mots, il y aurait des services. Nous-mêmes, nous sommes prêts pour nous capables à rentrer à l'histoire, pas oublier pour nous aller rentrer à l'histoire et vivre, c'est être prêt à terre. Et qu'il y a un bon rapport entre les cités privées avec les cités. Nous avons un bon rapport avec tout le monde, tout le monde. Depuis que nous avons besoin de service, nous sommes prêts. Et si service en vie, nous nous faire, même si nous parlons, nous faire. Ça rappelle nous. Gonaïve en 2004, scout tout allé, pas de monde qui était réel, et c'est la première organisation, en termes d'organisation, ou quantité de monde organisé qui était réel Gonaïve en 2004. En 2008, encore, qui était à Cabaret, qui était au Gonaïve, nous étions là. Donc ça veut dire que nous avons un bon rapport avec tout le monde derrière ce scout monde. Donc, il y a le scout est l'ami de tous, et le fait de toute autre personne. Qu'il soit qu'il passe. Donc, il y a du bon là. Est-ce que tu as comme effectif actuellement, le dernier recensement que nous avons gagné en 2013, si je ne me trompe pas, nous sommes arrivés à 50 000 et quelques choses. Et or, nous toujours à l'extension. Nous supposons qu'il y a plus que 50 000 scouts actuellement qui répartis sur tout le territoire national. Merci, nous avons été nous investir. Donc, pas tout cas, bonne relation une nouvelle fois. Et la
l'absence de tout jeune qui t'a avoué que le pays a gagné l'autre changement à travers la mentalité, nous. Pour que bon changement effectif qui fait à travers sentiment, esprit de service, qu'est-ce que tu as gagné, nous sommes capables de mettre dans tout jeune pour que Haïti soit capable de vivre dans l'autre pays.